voiture, mais dans le MX-5. Là on parle à froid, parce qu'il fait froid, et parce que la voiture chauffe, et après on part direct le Shukai. On arrive là-bas pour 7h45. Donc voilà, 15 minutes après l'ouverture pour la piste, pour les pistards. Donc voilà, c'est parti, on va faire la route, et on se retrouve une fois sur le parking là-bas. Et nous sommes avec Sylvain. Oui, salut. Il était d'accord pour filmer et montrer sa tête, voilà. C'est vrai, d'accord. Bon, bah écoutez, on se retrouve là-bas. On va voir si y a un petit café ou quoi, et puis je vous dis à de suite. Tu vas bien là? Voilà, on vient d'arriver, tranquilloute, biloute. Ouais. Ça vas-y, fait plaisir. Moi, ouais. Donc c'est plutôt cool. On est, je suis dans la voiture numéro 28. On attend des copains là. T'as des potes, et puis voilà. Désolé si c'est pas très stable, hein, parce que je suis posé. Il fait un peu frais dehors. Ah, il fait gay frais. Je pensais pas qu'il allait aussi frais que ça. Vous allez voir, je vais vous faire des plans des caisses un petit peu là. Donc il fait pas mal frais, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Ça va le faire. Il y a gavé de monde. On est arrivé en fait. Dès qu'on est arrivé, t'avais masse de monde derrière nous. C'était un truc de ouf. Donc c'était plutôt drôle. Et puis on a eu de la chatte d'arriver. Arriver comme ça quoi. C'est ça. Je suis gosse. Les gars, on y est, tranquilloute. Là on est en train de découvrir un peu parce qu'on n'est jamais venu quoi. Et on est obligé d'avoir les masques. Bon bien sûr entre nous, vu que je suis avec lui, on peut les enlever. En plus, mais il y a personne à gauche. Ouais, c'est que quand on est en groupe. Du coup là on va aller voir les pistards et voir comment ça se passe. On est contre le soleil, c'est nickel, il n'y aura pas de contre-jour, du coup c'est parfait. Ouais. Allez, le c'est parti. Le soleil nous réchauffe aussi. Ça fait exactement. Du bien. Allez, let's go. Ça peut faire genre même couper le son et tout. On va filmer quelqu'un qui filme. Là tu peux. Salut. Ouais, moi j'ai pas ton matos aussi. Ça va, c'est sûr. T'as une caméra du vent. Exactement. En plus, c'est de la bonne cam. Parce que j'ai vu qu'il cherchait du matos. Ouais. Non, moi je fais pas de déplacement comme lui. Oh, maître Zabouza. Ah non, c'est pas lui. Une petite MX-5, on est beaucoup d'MX-5 je trouve. Ouais, j'ai un pote aussi qui arrive en MX. C'est vrai, c'est top ça. Thank you.
Bon là ça se passe les gars, il y a beaucoup de caisses. On commence vraiment à être pas mal. Il est quelle heure d'ailleurs ou pas? Ouais, je crois que c'est 11h. Il est 11h, il y a grave de monde. Il y a vraiment de tout, toutes les japonaises qu'on peut imaginer. Donc franchement c'est ouf. Et il y a plusieurs zones de parking, je sais même pas. Et il y a même plusieurs entrées. Donc franchement c'est ouf. Franchement c'est ouf. Et on est un peu mieux de la route. Donc on va se mettre un peu sur le côté. Puis il y a un petit espace vert, c'est pas dégueu ça. Et puis là on va avoir des vraies voitures, genre des Supra, des trucs comme ça et tout. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, c'est une Supra qu'on entend en fait. Voilà. Et c'est dommage, on peut pas aller sur la piste, enfin voir des conducteurs. Parce qu'en fait on est obligé de connaître les pilotes pour pouvoir faire un tour en passager avec eux. Voilà. Donc c'est dommage qu'on connaisse personne. Parce que ça aurait été franchement fun, mais ça aurait été cool. Bonjour, aujourd'hui vous êtes bien avec la squad Bouza. Elle est où la passe du seigneur? Et ta casquette? Alexis? Oui. C'est le moment bénéfice de la journée. Sérieux? Oui. Pour faire de la propagande de la squad? Bah je vous ai dit qu'on avait le droit à un gratuit. Mais... Je vais l'accrocher là, comme ça. C'est japonaise mon pote. Ça y est, elle va plus sentir elle. Ils ont quoi comme bagnole? Ils ont une Celica mais en GT4. 5 euros, de dealer de coque. Alexis, on va aller au resto ce soir. Thank you.
voilà les gars, j'ai fait limbo. On était deux finalement, on a pu être deux. Alors que normalement c'est tout seul. Et ça changeait pas grand chose. Je suis resté premier pendant un bon moment. Et voilà. Hein. Et bah, du coup, limbo, bah, j'étais premier et j'ai fini deuxième. Alors, je sais pas qui m'a piqué la place, comme je vous ai dit. Mais voilà, j'ai hâte de voir laquelle c'est parce que bah, je suis à 1 combien ? 1,15 ? 1,12. Je suis passé à 1,12,5 en hauteur. Et il y a quelqu'un qui est passé en dessous moi, mais de peu, apparemment, de très peu. Donc voilà. Alors que je n'ai même pas rabaissé la voiture. Donc c'est plutôt rigolo. Et voilà, bah, j'ai hâte de voir. Si comment ça va se passer pour la suite et puis ça fait plaisir, c'est l'épreuve avant de partir. Ensuite on a la tombola et après la tombola et eh ben on rentre au bercail, on rentre à la maison. Et puis en espérant que cette journée vous aura plu, parce que vous ce sera une petite vidéo je pense de je dirais de 20 minutes, donc ça sera un gros montage, ça sortira pas la semaine prochaine, ça sortira la semaine d'après. Voilà. Donc pas la semaine où je tourne la vidéo mais la semaine d'après. Bon, on se retrouve tout à l'heure pour la tombola. Sur ce, moi je vous fais des bisous et je vous tiens au jus pour l'épreuve du limbo. Voilà. À la maison, bien rentré au bercail. Je suis le lendemain du tournage du Shukai, donc j'espère que ça vous a plu, tout ce montage. Voilà, ça va me prendre pas mal de temps. Là, je vais me lancer. Là, attendez, je vais vous montrer ça deux secondes. Voilà, donc les vidéos sont sur mon PC, je viens de les transférer, pardon. Bon, c'est à peu près la même chose. Et voilà, j'ai tout ça à traiter. C'est filmé avec mon téléphone, mais vous allez voir, c'est quand même assez propre. Voilà, donc. J'espère que le montage va être qualitatif pour vous. Je vais prendre un pied à le monter parce que j'avais hâte de monter la vidéo.
J'ai tellement d'idées de ce que je pourrais faire, de ce que je vais faire, les musiques, la synchro, etc. Je remercie énormément le staff, donc la team Fuji. C'était juste trop bien. Vraiment, pour ma première année, c'était top. Il n'y avait rien à dire. J'ai tout simplement kiffé. Voilà, j'ai pas d'autre mot. C'était tellement bien, c'était trop bien. Et dernière, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, je devais y aller et je pouvais pas à cause du vandalisme. Et là, j'y suis allé, je regrette pas du tout, c'était ouf. Je vous montrerai dans une autre vidéo ce que j'ai eu et ce que j'ai eu là-bas, quoi. C'était top, franchement, c'était top. En rapport avec le limbo, je ne vous ai pas dit de nouvelles. Finalement, j'ai été 3e, si j'ai pas de conneries, peut-être, j'en sais rien, j'avais des amis qui étaient en train de regarder. En fait, on passait chacun notre tour. Et du coup, quand on passait, nous, on rentrait sur le parking. Enfin, on savait pas quoi faire. J'ai suivi un ami, un pote qui avait une MX5 qui était passé avant moi. On est rentré direct sur le parking, là où on était posé. Donc, on pouvait pas savoir sur l'endroit où il y avait le limbo. Du coup, on est rentré se garer sur le parking du statique. Et ensuite, j'avais des amis qui me tenaient au courant. Et j'ai fini apparemment 3e niveau du limbo. Donc, C'est plutôt cool. Je suis content. Bon, même si je sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas si c'est vraiment ça, ben merci à mon poteau Kiki, à mon petit Kiki là qui m'a donné l'info. Et puis encore merci à eux, c'était des super rencontres aussi de ses potes à lui. Et merci à tout le staff vraiment de la Team Fuji. Et, le Shukai était ouf. Et ben merci au circuit aussi qui a accueilli l'événement comme ça. Je ne sais pas, ça fait combien de fois que le Shukai est sur cet emplacement. Ça doit faire la deuxième ou troisième année, je crois, que le Shukai se fait là-bas, voire la quatrième année. Je pense que... Non, c'est la troisième année, je crois. Troisième année, parce que le Shukai numéro 4 était sur un parking. Si je dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'était à côté du circuit ou pas, je ne me suis pas trop renseigné. Mais je crois que ça fait trois années que c'est maintenant sur... Il y a le circuit. Du circuit de Haute-Saint-Ange, et puis voilà. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit pouce bleu, parce que ça fera toujours plaisir. N'oubliez pas surtout d'aller checker la Team Fuji, le Shukai, et si ça vous intéresse, bien entendu, bien sûr, c'était des caisses Jap, en espérant que l'année prochaine, les visiteurs soient autorisés. Du coup, ça facilitera le nombre de personnes à venir et voir des caisses, parce que même si là, c'était restreint qu'aux caisses japonaises et qu'on pouvait amener des amis dans les voitures, du coup... Il y a eu quand même carré de monde, c'était ouf. On était 600 voitures apparemment, ou plus de 600 voitures. Pas que sur un parking, mais sur tout l'événement entier. Donc c'était plutôt bien, mais c'était génial. C'était franchement cool, j'ai pas regretté du tout d'avoir passé cette journée. J'étais avec Tristan, que vous avez pu voir. Encore merci à lui pour des plans caméra, pour ses commentaires, pour s'être montré dans la vidéo, pardon. Et c'était juste génial. Et le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Voilà, ça m'aidera toujours. Et remercier beaucoup ceux qui ont organisé le Shukai. Merci à la piste, à Haute-Saint-Onge, de nous avoir accueillis. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour avoir la notification des vidéos. Et puis voilà, c'est tout pour moi. Puis je vous fais des bisous. Je vous remercie encore. Je remercie toute l'équipe du Shukai. Vraiment, c'était juste génial. Merci beaucoup pour cette ambiance. Pour ce travail de qualité, en fait, pour cet événement de qualité, malgré la crise sanitaire qui est le Covid-19. Ça s'est super bien passé, et rien à dire, j'ai passé une punaise de journée. Je pense que nous sommes beaucoup à avoir passé une punaise de journée, et c'était juste ouf. Voilà. Je vous remercie, et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!